Annabelle. Faut que je te parle. Bon, qu'est-ce qu'Annabelle a encore fait? Mais rien. En fait, non. Tout. Ouais, c'est ça. Elle a fait quelque chose de beau. Peux-tu être moins clair? Excuse-moi, c'est juste que pour souligner le fait que ma blonde a été nommée porte-parole pour le comité pour la paix. Con? Pourquoi tu me traites de con? Mais non, le fait qu'on a été nommé porte-parole pour le comité de la paix. Ah ben oui, excuse-moi. Félicitations. Qu'est-ce que je dis? Que pour souligner... Oui, oui, c'est ça. Je veux donner un petit cadeau à Annabelle, mais je sais pas ce qui ferait plaisir. Ah, oh, puis t'as besoin de mon avis d'expert. Eh, c'est ça. Annabelle est tellement gâtée qu'elle reçoit des cadeaux avant même d'avoir pensé à les demander. Ah! Oh. Oh. Mais pourquoi tu y fabriques pas un cadeau de toi-même? C'est vrai? Je pourrais faire un petit caniche en bâton de popsicle. Mais laisse-moi penser d'ici la fin de la journée, là, je vais te trouver quelque chose. Mais laisse faire le caniche. Allô? Quel caniche? Ben moi, il faut que j'y aille, hein? Je m'en vais dîner chez moi. Hey! Oublie pas que ce soir, il faut finir le magazine, hein? On l'imprime demain. Oui, là, mais il me reste juste le test à faire. T'as pas encore commencé? Mais là, tu choisis ton sujet au moins? Mais non, là, mais c'est pas très long à faire. Ouais, on dit toujours ça, mais c'est toujours plus long qu'on pense. Ah, en tout cas, là, Antoine vient nous chercher ce soir à 7h moins quart chez nous. Mm. Oui, allô? Est-ce que je vais avoir la chance de manger en face la plus belle fille de l'école? Ouais. De l'école? Du monde, mon amour. Du monde. Avec plaisir. Mm. Hey, de quelle caniche je vous parliez tantôt? Ma mère. Elle veut un chien, puis Marianne lui conseille de pas choisir un caniche. Mais là, ta mère, l'autre jour, elle a pas dit qu'elle voulait pas de chien. A changé d'idée. Elle t'a connaît elle-même. Viens, on va manger. Après l'école? Elle a l'air de bonne humeur, je vais en profiter. Marianne? Je t'ai! Super battant! Ouais, c'est les Resin Roses, c'est un groupe de Québec, ils sont super forts! Yeah! Okay, moi, je mange pas ça. Une chance que j'ai l'habitude avec Manolo. Marianne! Ah! As-tu pensé à ma proposition? Hein? Ben oui, pour Gamine. Oh, c'est oui. Ouais, tu vas faire le test du mois. Mais je t'avertis, hein? Il faut que ça soit prêt ce soir. Puis les filles, qu'est-ce que vous complotez? Non, on complote pas. Ben, qu'est-ce que vous discutez en catimini d'abord? Une affaire de filles. Ah. Bon, là, je t'avertis, hein, faut que ce soit un test à choix de réponse qui intéresse nos lecteurs. Hein? Fais-moi pas un test plate sur la reproduction des laitues frisées. Mais là, franchement, Marianne, là, je suis capable de faire autre chose que des tests avec des plantes. Ah, c'est vrai, t'es pas pire avec les animaux, hein? Non, non, nous autres, là, dans Gamine... Ben oui, je l'ai déjà lu, votre magazine. Je sais très bien de quoi ont l'air vos tests, là. Fais-moi confiance, Marianne, ça va être super bon. Puis, avez-vous toujours votre souper ce soir? Oui. Oui. Mm. Avez-vous choisi le restaurant, finalement? La Cucina d'Angelo. Ah! Et comment vous allez vous rendre là? Antoine a l'auto de son père. À quelle heure, déjà? 7h! Et je prépare l'auto-lettre vers 8h15 et commencer à manger à 8h43. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux savoir? Mais voyons, Marianne, là, si je te pose des questions, c'est parce que je m'intéresse à toi. Non, tu t'intéresses pas, tu fais une enquête. C'est pas pareil. Je reviens. Puis je t'en ai ton poulet bouilli! Oh, Ouais, il est donc bien curieux, Claude, aujourd'hui. Fatiguant, tu veux dire. Hey, Renaud, j'ai une super bonne idée, là. C'est quelque chose de pas compliqué à faire et... Je t'ai fait un croquis. Oh, merci. Je vais t'en devoir une, surtout que j'ai encore besoin de ton aide. Ah, non, je suis pas mal pressée, là. Il faut que je trouve un moment pour fabriquer le cadeau. Annabelle, elle veut qu'on passe du temps ensemble avant le souper. Mais pourquoi tu dis pas que ton patron dépanneur a besoin de toi d'urgence? Annabelle croira jamais ça. Mais... Allô? Qu'est-ce que je croirais jamais? Renaud va nous aider pour le test du mois. Pour vrai? Ben oui! Je vais aider Marianne. Non, en fait, il va aider Célina, c'est ça. Quoi?
T'as accepté que Sylina travaille pour notre magazine. Oui, mais à la condition que Renaud l'aide, hein? T'avais raison, c'est long à préparer, puis j'ai beaucoup de textes à relire. Mais à tantôt, hein? Finalement, mon sucre d'orge. Ma beauté des îles. On va juste pouvoir se voir pour le souper. Ah ben non! Moi aussi, il me reste des trucs à préparer pour Gamine. On peut tous aller travailler chez Marianne, c'est bien plus fun en gang. J'en reviens pas que Marianne me fasse confiance pour le test. Allô? Ah, oh, salut. Bon, ben, je vais aller rejoindre Marianne dans sa chambre. Non, je pense qu'elle est pas encore revenue de l'école. Ah, ben, je vais aller l'attendre d'abord. Puis, je vous laisse travailler en paix tous les deux. Travailler... Ben oui, Renaud vient t'aider pour le test de Gamine. Je le savais que c'est trop beau pour être vrai. Ben, c'est parce que jusqu'à maintenant, ça va très bien, hein? J'ai pas vraiment besoin d'aide. J'aurai ta peau, Sam Miguel! C'est mon demi, Nathan. Est-ce que tu courais partout avec tes G.I. Joe quand t'avais cet âge-là, toi? Non, poupée. Je jouais déjà à la bouteille en dessous de la galerie de Madame Bigra. Où est-ce que t'es rendue? Ben là, je viens juste de trouver mon sujet. C'est pas vrai, je suis pas venue pour t'aider. C'est un prétexte pour me débarrasser d'Annabelle. Je lui prépare un cadeau en cachette. Oh, il me semblait aussi. Ce que je trouvais surtout plate, c'est que Marianne pense que je suis pas capable de faire un test toute seule. Faut qu'on trouve quelque chose à dire à Annabelle si elle te demande où je suis. Tu comprends? C'est une surprise. Inquiète-toi pas, je vais trouver quelque chose. Là. Tu peux y aller. Merci. Salut, chum de la meilleure amie de ma soeur! Salut, Nathan! Tu vas souffrir! Sylina, est-ce que tu feras le méchant? Non. Oh, s'il te plaît, là, c'est super fatigant de faire le bon et le méchant! Nathan, pourquoi t'appelles pas ta grand-mère? Tu dis toujours qu'elle accepte de jouer avec toi. Ouais, t'as raison. Ah! Salut, papa! Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon lit d'enfant? Je fais de la place dans le sous-sol de l'immeuble. En tout cas, il va avoir besoin d'un petit coup de peinture. Un grand coup, mais après ça, il va être vraiment beau. Viens m'aider à sortir les autres. Non, hey, papa! Avant, j'ai besoin de toi comme cobaye. OK, je ferme les yeux, j'ouvre la bouche. Hey, non, c'est pas ça. C'est parce que je collabore à un numéro de Gamine. Hey, félicitations! Merci. Là, je suis en train de préparer un test. OK. Est-ce que t'es capable de me nommer l'objet qui manque en ce moment dans le salon? Mais là, je connais pas assez la maison pour jouer à ça. Oh, je suis sûre que t'es capable. Veux-tu un indice? Non. Il manque une statue sur la tablette. Hey, comment t'as fait ça? Ben, je t'ai juste observé, t'en regardant en direction de la tablette. Puis, tu te souvenais qu'il y avait 3 statues? Non, mais j'en ai déduit qu'il y avait assez d'espace sur la tablette pour une autre statue. Mais bravo, hein? Je pense que mon test est trop facile. Ben, pas nécessairement. Je pense que ça vaudrait la peine d'essayer avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'on vient de trouver un cobaye qui a pas trop le sens de l'observation. Salut, Claude. Désolé, c'est le lit pour Colin dont je t'ai parlé. Ah ouais, mon gros orteil fait dire qu'il est solide, ce lit-là. Ça me prend jusque dans le cœur. Bon, mais je... Ouh, je vais t'aider à rentrer les autres morceaux. Ah non, attends, Claude. Je me demandais ça comme ça... Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de changé dans le salon? T'as fait le ménage, merci. Non. Regarde comme il faut, là. Il manque rien? Non, rien. Il n'y a rien de changé. Tout est comme d'habitude. Bon, viens, Denis. Oh. Merci. Avec son très grand sens de l'observation, c'est étonnant que Claude se soit jamais mélangé dans ses produits chimiques puis que son laboratoire n'ait pas encore explosé. Renaud est pas là? Non, il est parti te fabriquer un cadeau pour te faire une surprise. Oh wow, un cadeau fabriqué à la main! Oh, il est donc bien gentil, c'est quoi? Hein? J'ai pas dit ça, moi?
Bruno est pas là? Non, il est parti faire des photocopies pour notre test. Ah, son cellulaire est encore fermé. Marianne, t'es où, là? Rappelle-moi, s'il te plaît. Ah, c'est bizarre qu'elle soit pas encore rentrée. Ben, elle est sûrement avec Antoine. Ah, oh, ben oui, c'est évident. Ah, puis Nathan, est-ce que ta grand-mère a accepté de jouer le rôle du méchant? Je l'ai pas appelé, finalement. Antoine, c'est Annabelle. Oui, passe-moi Marianne, s'il te plaît. Oh non, t'es sûre qu'elle est pas là? Moi non plus. Puis personne ne sait où aller. Ouais, c'est ça. OK, bye. Ah, oh, je suis sûre qu'elle va revenir bientôt. Hein. Ouais. Hey, c'est quoi le test, finalement? C'est un test sur le sens de l'observation. Ah! Oh, genre, vous changez de rouge à lèvres. Votre chum le remarque A, tout de suite, B, le lendemain, C, une semaine plus tard ou D, jamais. C'est... Qu'est-ce que c'est ton système de pointage? Ben... Genre, 20 points et plus, vous avez un sens de l'observation hors du commun. Moins de 5 points, vous avez quelque chose sur le bout du nez puis vous le voyez même pas. Non, en fait, Annabelle, c'est plus comme un jeu, hein, de cherche et trouve. Mais voyons, c'est un jeu de bébé, ça. Gamine est un magazine sérieux lu par des jeunes intelligents et renseignés qui ont des opinions et... une garde-robe dont les morceaux s'agencent avec leurs humeurs. Pour qui tu nous prends? Oh non, là, Marianne et Annabelle vont penser que je me moque d'elle avec mon test. Où est Annabelle? Je suis ici! Où est Annabelle? Où est Annabelle? Mieux d'être convaincante. En fait, c'est pas un test que tu remplis toi-même. C'est un test que tu fais passer à quelqu'un de ton entourage sans qu'il sache pour vérifier s'il y a un bon sens de l'observation. Ah, là, je reconnais les idées de Renaud. Oh, fatigante! Tu sais, comme si c'était impossible que j'ai une bonne idée. Mais c'est pas... Mais c'est pas quoi? Je ferais mieux de rien dire. Je vais encore me mettre les pieds dans les plats. C'est pas... croyable à quel point il y a des idées, ton chum, hein? Oh, je le sais, là. C'est un tapis roulant d'imagination. Oh, faut que je te conte ça. L'autre jour, au dépanneur, il y a un client qui cherche... Bon, est reparti. Je me demande vraiment où, Marianne, hein? Hey, Marianne, là, je l'avais complètement oublié. Bon, mais si t'as des nouvelles, tu me préviens, OK? C'est sûr. Que mon père a voulu me jouer. Non, Denis, c'était Lina Manoulo, ça? Non, c'est Lina. Ah, ben merci, hein? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je ferai pour vous autres, hein? Hey! Salut, vous autres, ça va? Ah, très bien, on vient de faire un peu d'exercice. Puis, Claude, t'as toujours rien remarqué de différent dans le salon? Mais voyons, c'est Lina, là. Pourquoi tu me poses encore cette question-là? Non, mais c'est un jeu. Parce qu'il y a un objet en moins, puis il y en a plus. Mais là, papa, c'est bien trop facile. Ah oui? Ah, vous me niaisez, là. Il n'y a rien de changé, tout est comme d'habitude. Ouch, c'est pire que je pensais. Mais là, c'est pas évident de trouver ce qu'il y a de changé dans le salon, hein? J'abandonne, hein? C'est trop difficile. Denis, as-tu soif? Un peu, oui. Papa, hein? Regarde.
J'ai pris une photo du salon avec la statue, puis une photo sans. Okay. Ben, c'est pour donner un exemple pour le magazine, là. En passant, c'était très drôle ton idée de remettre la statue à sa place. J'ai touché à rien, moi. Ah, mais non, je te crois pas. Je te jure. Tiens. Ah. Merci. Mmh. Ah, Denis, je t'invite à souper ici ce soir, si tu veux. Oh, c'est gentil, mais je travaille tôt ce soir. Je vais y aller à... Mais avant, j'aimerais ça te parler, Claude. Célina, pourrais-tu me laisser tout seul, s'il te plaît? Ouais, ouais. Non, mais inquiète pas, là, ça n'a rien à voir avec toi. OK. Mais voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Claude, j'aimerais que tu agisses de la même façon avec moi si jamais il se passait quelque chose comme ça avec Madeleine ou Célina. Je voudrais que tu m'en parles. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que Simon a encore fait? Non, c'est pas Simon, c'est... C'est Marianne. Comment... Oui. La personne l'a vu, là. Bon, mais merci, Antoine. Merci aussi de m'avoir donné ta version des faits. Au revoir. Nathan, Célina, Annabelle, venez ici tout de suite. Je sais pas. Nathan, va jeter ta motte de gomme à saveur de poussière, s'il vous plaît. Bon, pourquoi tu voulais nous voir? Il paraît que personne sait où est Marianne. Est-ce que c'est vrai, ça? Je sais rien, j'ai rien fait. Ben, moi non plus. Mais j'ai rien dit parce que je voulais pas que tout le monde s'inquiète, mais son cellulaire est fermé, personne l'a vu depuis la fin des cours, pis c'est le soir de notre super à 4. Ben, tu peux te dire tout de suite que ça va être un souper à 3. Mais là, au lieu de punir Marianne, là, tu serais pas mieux d'appeler la police? Tu sais, peut-être qu'elle s'est fait enlever. Alors, voyons, la belle, pas de panique, là, c'est pas venu d'ici une heure, on verra. Ben, moi, je vais aller faire le tour du quartier d'abord. Moi, je vais aller jouer dehors. Ça me tente plus d'être dans la maison. Non, mais attends, tu... Ben, moi, je pourrais peut-être téléphoner à quelques voisins, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a vu. Bonne idée. Marianne! Elle gardait chez Madame Saroupoulos. Marianne L'Espérance, c'est ton père. Hein? Quand t'arrives à la maison, je veux qu'on se parle. Marianne! Mais fais ça vite, hein, je vais être en retard à mon souper. Tu seras pas en retard, tu iras pas. Comment ça, là, juste parce que je t'ai pas dit que j'allais garder? Eh, veux-tu appeler la police aussi? Hein? Tu pourrais me faire jeter en prison, ta cagnaille! Marianne, on s'inquiétait, y a rien de ridicule là-dedans. Mais là, on a un problème. Je peux plus te faire confiance. T'exagères, là, je te le dis tout le temps où je suis. Ah oui? T'étais où mardi passé? Mais je te l'ai déjà dit. Et au cinéma avec Antoine. Donc, c'est Denis qui m'a menti. Il paraît que vous avez essayé de rentrer dans son bar, mais dès que tu l'as vu, vous avez rebroussé chemin. Ouais, mais je peux pas deviner qu'il serait là, hein? Il travaille jamais le mardi d'habitude. Donc, t'es pas allé au cinéma? Ben oui. Oui, on est allé voir Demain est un autre jour, là, tu demanderas Antoine. Je le sais, je l'ai déjà appelé. T'as pas fait ça? Oh, je vais me gêner. Hein? Si j'ai les raisons de penser que le chum de ma fille va l'amener dans un bar, je pense que j'ai le droit de l'appeler pour lui dire que je suis pas d'accord, non? Oui, mais Antoine n'a rien à voir là-dedans. Je le sais, il me dit que c'est toi qui avais insisté. Qu'est-ce que t'allais faire dans le bar de Denis? Antoine a dû te le dire. Oui, mais je veux te l'entendre dire. On allait rejoindre un de ses amis. Puis à part de ça, papa, là, même si j'étais entrée, là, j'aurais même pas bu. Ah ben oui, s'il y avait eu une descente, je pense que t'aurais fait rire la police avec ça. Hein? Oh, monsieur l'agent, je suis dans un bar, mais j'avais pas l'intention de boire. Mais tu comprends rien. Je comprends surtout que tu m'as menti. Mais si tu me traites en adulte aussi, hein, ça serait pas pareil. Je vais te traiter en adulte quand t'auras des comportements d'adulte. Là, là, tu me laisses pas vraiment le choix, je vais être obligé d'être plus sévère avec toi. Ouais, t'es tout le temps sur mon dos, hein? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? C'est simple, je veux savoir où tu es tout le temps, point. J'ai hâte d'avoir du temps pour pouvoir sortir de prison. Oh, fiu, t'es là. Hey, j'ai fait le tour du quartier 3 fois pour te trouver. Bon, est-ce que Renaud est arrivé? On sera jamais prêt à temps pour le souper. Non, oublie ça, il y en aura pas de souper de couple. Bon, qu'est-ce que t'as encore fait, Claude? Va demander à Marianne, elle va te le dire ce qu'elle a fait. Marianne! Ah! Ah! Cette fois-ci, tu m'en vas pas! Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là, Nathan? La statue me poursuit depuis que je suis revenue de l'école! Qu'est-ce que tu racontes là? La statue bouge tout seul! Mais voyons donc, là, c'est ton imagination. Non, je te dis qu'elle bouge! Elle était dans le frigo, là, puis je l'ai remise à sa place dans
dans le salon, puis elle m'a poursuivi jusqu'à ma chambre. Ben, voyons donc, c'est sûrement quelqu'un qui t'a joué un tour. Simon et Manolo sont pas là. Ben, je te jure, Nathan, il y a aucune raison d'avoir peur. Je l'haïs, cette statue-là! Comment ça, là? Quand j'étais petit, je voulais jamais rester dans le salon tout seul parce que j'avais l'impression qu'elle m'espionnait. C'est de ma faute. Oh, oui, c'est moi qui déplaçais la statue parce que je suis en train de faire un test sur le sens de l'observation. Ah, puis t'as testé les nerfs de Nathan en même temps? Ben oui, mais là, je pouvais pas savoir qu'il avait peur de cette statue-là. Là. Ben, excuse-moi, Nathan. C'est correct, là. Maintenant que je le sais, j'ai plus peur. Ah! OK, ben, je vais aller répondre. Profites-en donc pour récupérer la statue. Ouais. Ça va aller, toi? Oh non! La statue s'est encore sauvée! J'ai trouvé ça dehors. Je m'en occupe. Puis, as-tu terminé ton cadeau pour Annabelle? Il me reste juste à l'emballer. Ah, wow! Emballer quoi? Annabelle, tu le verras au resto. Ah, on n'y va plus. Mais en tout cas, plus à quatre. Comment ça? Marianne a eu un empêchement. Ouais, un empêchement dont le prénom commence par C, comme dans Casseur de party. Je vais te le donner tout de suite, ma princesse. Ça va peut-être te remonter le moral. Tadam! Wow! C'est quoi? C'est un porte-document. C'est pour protéger tes photos ou tes dessins. Ah! Hey, mais c'est vraiment une bonne idée, hein? Et puis c'est beau en plus, là. Hey, un cadeau pratique et esthétique, là, t'es le chum idéal. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Marianne. Ah, mais ton idée pour le test de gamine était super bonne, elle. Et c'est pas vrai que j'ai aidé non plus Célina pour le test. C'est un prétexte pour pouvoir finir ton cadeau. Puis, est-ce que tu trouves toujours que c'est une bonne idée, même si c'est pas ton chum qui l'a eu? Ben, une bonne idée, c'est une bonne idée, là. Hey, non, mais sérieusement, là, tu y es pas allé avec le dos de la fourchette, hein? Marianne est même pas entrée dans le bar. Non, parce qu'elle a eu peur en voyant Denis. Ah, oh, c'est pour ça que mon père voulait parler à Claude. Hey, elle m'a pas dit ça, elle. Mais... Hey, Marianne, Espérance! Oh, Renaud, viens-tu? Bon, est-ce que je peux le passer, ton fameux test sur le sens de l'observation? Tu l'as déjà passé. Hein? Quand ça? Où ça? Mais tu sais, là, toutes les questions bizarres que je te posais. C'était pour mon test. Oui, oui, le test sur le sens de l'observation. Puis je peux te dire tout de suite que tu l'as poché. Ah oui? Je peux te dire tout de suite que ton sens d'observation est pas plus aiguisé que le mien. Parce que t'as jamais remarqué que Nathan avait peur de la statue à chaque fois qu'elle voyait. C'est pas pareil. Ah non? Pas du tout.